Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo hebdomadaire bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Le danger qui nous guette. Comme d'habitude, je suis obligé de vous rappeler que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif, qu'il ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, évidemment Instagram, TikTok et Twitter, Tino-du-bas-bourse et le groupe Facebook du podcast de la bourse, ainsi que bien évidemment la chaîne YouTube sur laquelle vous êtes où il faut absolument activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez tout sur le site pepitortrade.com. Mes partenaires Trade République, avec qui bien évidemment vous pouvez à l'ouverture du compte bénéficier avec ce code de bienvenue d'un petit cadeau de bienvenue, l'expertise fondamentale avec mes amis de Hibou, Urutia, la gestion privée, j'y reviens en suivant, et bien évidemment le logiciel Pro Real Time que j'utilise dans toutes mes analyses techniques. Petit zoom donc sur mes amis de Urutia Gestion Privée avec Mickaël et Olivier, avec qui nous réalisons, vous le savez, vous avez une playlist sur la chaîne, les webinaires patrimoniaux, on en a réalisé 3, un sur les ETF Star, qui est le record d'ailleurs de vues sur la chaîne, un second sur l'assurance vie, et enfin le dernier, qui est le moins vu d'ailleurs, paradoxalement, et pourtant moi je trouve que c'est le webinaire le plus intéressant et qui pour le coup en ce moment a beaucoup de sens sur les produits structurés. Je vous invite à aller voir cette vidéo sur produits structurés, la surperformance maîtrisée. On attaque avec le programme de cette vidéo, le danger qui nous guette. On aura évidemment une introduction un petit peu plus importante, si vous voulez, puisque bien évidemment, on est dans un moment clé, hein, évidemment, politique. Et donc, je vais essayer, dans la mesure du possible, de développer un petit peu tout ça pour se préparer au mieux à la volatilité qui risque de reprendre. Et évidemment, il y aura la liste des actions avec Air Liquide, Stellantis, Dassault Systèmes, Hermès, Sopra, Steria, Vinci TF1, Métropole TV, De Richebourg, Aramis, Legrand, Réalité SPI, Nacon, Evans, je crois que c'est l'ancien, c'est pas je crois, c'est sûr, l'ancien ALD, LVMH, Ruby, Capgemini, Safran, Steve, Vallourec, qu'on a fait, dont on fait le suivi depuis la semaine dernière, Veralia, BAM Group aux Pays-Bas, VGP, on parlera bien sûr aux États-Unis de McDo, Celsius, Dell, Cloudflare, Marathon, Digital, et on passera au titre à suivre, parce qu'il y en aura deux, je pense. Si j'ai le temps, je ferai les deux, un avec une vision un peu plus court-termiste, et un avec une vision un petit peu plus long-termiste, comme d'habitude. Vraiment, merci, parce que la vidéo la semaine dernière, on va arriver à 8000 vues, c'est absolument exceptionnel. Évidemment, hein, en ce moment, ça bouge, donc voilà, ça apporte de l'engouement, mais vraiment, beaucoup de messages de votre part, tous, vraiment, d'une bienveillance incroyable, d'une politesse, je tiens à le souligner, d'une politesse, d'une bienveillance, d'une gentillesse profonde. Ça fait du bien de voir qu'il y a encore quand même une majorité de gens dans ce pays qui sont capables d'être tout simplement gentils. C'est pas un défaut, hein, d'être gentil, hein. C'est une qualité pour moi. Et vraiment, ça fait plaisir de voir, ça donne en tout cas du bon, moi ça me donne beaucoup de courage et de baume au cœur de voir que, il y a encore beaucoup, beaucoup, heureusement, de gens qui sont quand même vraiment des gens très bien et profondément bien. Allez, on attaque avec donc le résumé de la semaine. Tiens, je vais activer ma caméra. Hop, me voici, me voilà. Comme d'habitude, ça fait toujours un choc. Comme ça, sensation de pas se reconnaître. Bref, donc le résumé de la semaine, évidemment, il est celui-ci. Hein. Il est que, effectivement, on a un CAC qui a fait du rebond. On va y revenir sur le plan, bien évidemment, technique. Et puis on va essayer de se projeter, hein, bien sûr, hein, sur les différents scénarios possibles. Vous avez promis la semaine dernière de travailler sur les différents scénarios possibles et donc d'en tirer des probabilités sur les réactions possibles du marché. Et donc c'est ce que j'ai fait cette semaine. Je m'y suis attelé et donc je vais vous proposer des scénarios, évidemment, sur ce qui pourrait arriver sur les marchés les prochaines semaines, d'où la fameuse boule de cristal. Alors,
Cette semaine, évidemment, un nombre incroyable de messages par rapport à la dernière vidéo. Et parmi ces messages, il y en a un. Alors, j'ai été surpris parce que, effectivement, il y avait beaucoup de messages, notamment de jeunes personnes. Et donc, voilà, j'ai eu. Alors, c'était un mail, en l'occurrence, de Adrien. Un gros pavé, d'ailleurs, Adrien, mais très intéressant, évidemment. Et il y avait tout un tas de questions. Et donc, parmi ces questions-là, il y avait. Évidemment, ça me donne, si vous voulez, ça m'ouvre la porte, hein, finalement, vers la suite, c'est-à-dire quels sont les différents scénarios possibles politiques et les conséquences sur les marchés financiers, notamment le CAC. Dans ce mail, et aussi en introduction, on me demandait, Adrien, un petit peu voilà, de rappeler, de vulgariser un petit peu, en gros, la situation actuelle politique. Alors, encore une fois, l'objectif, c'est pas du tout de faire de la politique, vous l'avez bien compris, l'objectif, c'est simplement d'analyser les scénarios possibles politiquement, et surtout, c'est là où ça nous intéresse, des conséquences sur les marchés. C'est ça qui nous intéresse, c'est pas un jugement de valeur, mon avis intéresse personne, et vous avez bien raison. Il a pas vraiment d'intérêt, mais bon, ce qui me rassure, c'est qu'il y a toujours, bon, il y a toujours deux trois qui essayent de deviner un petit peu ce que je pense, et ce qui me rassure, c'est que pour moi, il y a personne qui a visé juste. Donc, ça veut dire que je dois assez bien quand même globalement cacher mon jeu. Bref, donc pour simplement rappeler un petit peu ce qui se passe actuellement, hein, grosso modo, en France, aujourd'hui, vous avez trois gros partis politiques qui vont donc de la gauche vers le centre, vers la droite, en passant par le centre. Donc, vous avez à gauche le Front Populaire. Vous remarquerez que je fais très attention de ne pas dire extrême pour une raison simple, c'est que pour moi, dire extrême, c'est un jugement de valeur. Et donc, comme je vous l'ai dit, je ne veux en aucun cas faire de jugement de valeur. Et donc, je vais parler uniquement de la gauche, du centre et de la droite. Côté gauche, vous avez donc toute la gauche qui est un petit peu rassemblée, hein. Vous avez évidemment le parti de Jean-Luc Mélenchon, vous avez également les socialistes, certains divers à gauche, etc. Donc tout ceci est regroupé donc à la gauche par ce qu'ils ont nommé le Front Populaire. À l'opposé, vous avez le parti de Marine Le Pen, qui est le Rassemblement National, qui s'est un petit peu élargi, notamment en absorbant une partie des Républicains, les Républicains qui étaient l'équivalent des socialistes à gauche, c'est-à-dire le parti, si vous voulez, qui se situait entre le centre et la droite. Donc là, vous avez effectivement les Républicains, une partie qui se rallie plutôt à Emmanuel Macron et une partie qui se rallie plutôt à Marine Le Pen. Les socialistes, eux, qui sont plutôt par là, entre la gauche et le centre, quand même, la majorité s'est ralliée, quand même, notamment François Hollande, hein, l'ancien président de la République, la majorité, quand même, se rallie plus côté Front Populaire que côté Emmanuel Macron. Voilà un petit peu, et donc entre les deux, vous avez évidemment le parti du président de la République qui finalement ni vraiment à droite ni vraiment à gauche. C'est le fameux ce qu'on lui a reproché d'ailleurs, hein, ce qui lui a coûté aussi, ce qui a fait son succès au départ et ce qui lui a coûté un petit peu, je pense, cher à l'arrivée, c'est le parti du en même temps. C'est-à-dire, à force de vouloir regrouper tout le monde, c'est vrai que bah, il n'y a pas eu vraiment de direction claire. Et je pense que voilà, il y a tout un tas de sujets qui font qu'on est en arrivé là, mais en tout cas, je pense que ça, c'est un des véritables sujets principaux. Voilà. Et donc, aujourd'hui, si vous voulez, pour moi, il y a quatre grands scénarios possibles, et je vais vous les exprimer, et je vais, en fonction des probabilités, je vais vous exprimer également ce que je pense sur les conséquences de ces scénarios. Premier scénario, c'est que pour moi, alors c'est la plus petite probabilité que je value, entre guillemets, à peu près à 10%. C'est qu'on est une surprise pour moi, c'est que effectivement le parti du président de la République, Renaissance, donc RE, c'est Renaissance, et finalement dispose finalement d'une majorité à l'Assemblée nationale. Alors là, ce serait un coup de maître, hein, clairement, tactique, politique du président de la République, puisqu'il reprendrait la main, si vous voulez, sur l'Assemblée nationale, et ce serait évidemment positif. Pour lui, il sortirait quelque part, je pense, par le haut, puisqu'il reprendrait la main, il aurait des capacités de pouvoir faire passer des réformes, etc.
Et donc, je pense que dans un premier temps, la réaction des marchés, ben, évidemment, elle serait positive, c'est-à-dire qu'il y aurait cet effet soulagement, si vous voulez. Et puis, dans un second temps, éventuellement, ça pourrait même se poursuivre. Donc, on aurait, si vous voulez, pour moi, la meilleure situation. Encore une fois, je ne fais pas un jugement politique, hein. Je ne dis pas qu'il faut voter Emmanuel Macron pour que tout s'envole. Je vous dis juste que, voilà, d'après moi, si le président de la République obtient une majorité à l'Assemblée nationale, je pense que ce sera positif à court, moyen, long terme, je sais pas, mais en tout cas à court et moyen terme, je pense que ce sera positif pour les marchés. En tout cas, je pense que ils en seront soulagés. Voilà le premier scénario qui est, d'après les sondages, hein, évidemment, très peu probable quand même. Le deuxième scénario, pour moi, ce serait avec des probabilités, on va dire, d'environ, hein, 15%. 15 à 20%, ce serait qu'on ait le parti, le Front Populaire qui arrive au pouvoir. Alors, le parti Front Populaire, évidemment, c'est un parti qui est sur le partage des richesses, la taxation des super-profits, etc. Et donc, bien évidemment, encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur, mais vous avez tous bien compris que pour les marchés financiers, ce n'est pas très positif, hein, évidemment. Et donc, la réaction des marchés dans un premier temps, je pense qu'elle serait négative. Et je pense également que, évidemment, dans un second temps, elle serait aussi négative. Donc pour moi, c'est un peu pour les marchés, j'ai bien dit pour les marchés, encore une fois, je ne juge pas le parti ni les idées, mais en tout cas pour les marchés, d'après moi, les réactions seront quand même très négatives. Voilà, donc j'estime ce scénario à environ, on va dire, une quinzaine de pourcents. Troisième scénario. Qui a une probabilité, je dirais, voilà, entre 20 et 25%, en gros, hein, encore une fois, c'est des probabilités que j'estime, hein. Chacun, évidemment, se fera son scénario. C'est que nous ayons le parti de Marine Le Pen qui soit en majorité à l'Assemblée nationale. La réaction du marché, pour moi, elle serait dans un premier temps négative. Parce que, bah, il y aurait l'effet changement, etc., etc. Et que, quand même, le Rassemblement national, c'est là tout le paradoxe, c'est que vous avez d'un côté le Front Populaire et de l'autre côté le Rassemblement national, qui sont deux partis qui se détestent, mais pour autant, on retrouve quand même des similitudes, certaines similitudes, pas aussi profondes, mais en tout cas certaines similitudes sur le plan économique. Finalement, le plan économique du Rassemblement national a quelques, on va dire, un petit peu parfois de gauche, un petit peu beaucoup même de gauche. Donc voilà. Et donc, alors dans un premier temps, pour moi, ce serait certainement négatif pour le marché. Et peut-être, je dis bien peut-être, que dans un deuxième temps, finalement, le marché se dirait que, bah, finalement, avec notamment quelques républicains qui font partie du Rassemblement national, etc., peut-être que la situation économique, et vu que les priorités, quand même, du Rassemblement national sont plus sur l'immigration, etc. Finalement, l'économie des marchés, etc. Finalement, ce ne sera pas forcément pire. Donc peut-être qu'on aurait un gap baissier et qui derrière serait potentiellement acheté par les marchés. Alors je ne dis pas qu'on irait retrouver évidemment des sommets, peut-être pas, peut-être d'ailleurs, mais peut-être pas. Mais en tout cas, je pense que voilà, l'effet peur serait rapidement comblé. Et enfin, le quatrième scénario, qui est pour moi le plus probable. C'est celui que bah, finalement on n'ait aucune, donc j'évalue à peu près à 50%, hein, qu'on n'ait aucune finalement majorité à l'Assemblée nationale et qu'on se retrouve finalement dans le même scénario qu'on est actuellement, c'est-à-dire eh bien, aucune majorité. Alors certainement plus de députés Front Populaire et plus de députés Rassemblement National à l'Assemblée nationale, mais pour autant, le pays resterait forcément, pour moi, ingouvernable. Alors la réaction première des marchés, certainement, c'est qu'elle sera positive, puisque les marchés, dans un premier temps, vont se dire, ouf, finalement, bon, tout ça pour ça, en gros, hein, finalement, bon, oui, ok, ils ont un peu plus de députés, etc., mais finalement, bon, voilà, ils ne pourront pas faire de réforme. Donc, dans un premier temps, je pense qu'il y aura un effet soulagement du marché. Mais je crois que dans un deuxième temps, effectivement, ce sera beaucoup moins sympa parce que pour moi, on est dans un contexte aujourd'hui, alors qu'on soit de droite, du centre ou de gauche, je pense qu'on est tous à peu près d'accord sur le fait que bah, on arrive, si vous voulez,
Fin de cycle, politiquement, économiquement, de notre pays, voire même, je dirais, plus globalement de l'Europe, et qu'il y a des réformes profondes à faire dans ce pays, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan social, éventuellement migratoire. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, il faut, je pense, je suis convaincu qu'il faut faire des réformes profondes. Qu'elles soient de droite ou de gauche, je pense qu'il faut faire des réformes profondes pour qu'on s'en sorte. Et on le verra dans les tableaux en suivant. Il y a des signes quand même inquiétants pour l'Europe et notamment la France. Donc voilà. Et la problématique, c'est que si vous voulez, si vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée nationale, le pays va rester dans l'immobilisme. Et donc je pense que rester 3 ans de plus, alors. L'Assemblée nationale peut être dissoute chaque année. Je ne pense pas que non plus Emmanuel Macron va s'amuser à dissoudre l'Assemblée nationale tous les 12 mois, quoi. Au bout d'un moment, ça va peut-être être compliqué. Donc, pour moi, voilà, dans un premier temps, ce serait positif, mais dans un deuxième temps, le marché réaliserait que ben, on va rester dans un pays qui va être ingouvernable et que c'est pas bon pour le business, quoi, tout simplement, hein, de ne pas avoir véritablement de ligne conductrice, être toujours dans l'incertitude. Et je pense que voilà, tout ça serait pas forcément dans un deuxième temps, en moyen terme, serait positif pour en tout cas la France et éventuellement même l'économie européenne. Donc voilà, sur le plan politique. Un petit peu ce que je pense, alors pas sur le plan politique, mais sur les conséquences possibles et sur les réactions possibles des marchés en fonction de ces scénarios-là. Tout ceci, bien évidemment, dans un contexte. Alors, il y a quand même une chose que je veux aborder avec vous. Alors, j'en ai déjà parlé, c'est très peu probable. Évidemment, ça paraît fou, ça paraît impossible, mais évidemment, dans le quatrième scénario, c'est-à-dire le scénario de pas de majorité présidentielle, on risquerait, alors dans un premier temps, effectivement, d'avoir un soulagement, en effet, des marchés, mais dans un deuxième temps, encore une fois, on risque à nouveau d'avoir le chaos devant un pays qui reste toujours ingouvernable. Et donc, ce qui n'est pas pricé par le marché, pour moi, et ce qui est certes peu probable, mais qui est quand même pas impossible totalement, c'est une démission du président de la République. Parce que si effectivement vous avez un marché qui est dans l'immobilisme et qu'on voit effectivement la gauche et la droite qui prennent de l'ampleur à l'Assemblée nationale, malgré tout sans pouvoir gouverner, un pays qui n'arrive pas à avancer, le premier qui sera responsable. Évidemment de tout ça, qui sera tenu en tout cas comme responsable, c'est le président de la République. Et je vois mal le président de la République tenir 3 ans quand même comme ça dans un tel brouhaha. Et donc je me demande si quand même, à force, malgré tout, malgré sa résilience, malgré certes, certainement son intelligence, etc., je me demande si finalement il se dira pas que la tentative de reprise de pouvoir qu'il vient de faire a échoué et que finalement il vaut mieux pas partir avant d'être tenu responsable de ce chaos. Voilà, donc ça c'est quelque chose pour moi en tout cas, que ça arrive ou que ça arrive pas, c'est quelque chose qui n'est pas pricé aujourd'hui par les marchés. Et donc attention, si ça arrive là par contre, je pense qu'il y aurait une réaction extrêmement négative des marchés parce que nouvelle incertitude, etc. etc. Et donc surtout, il va falloir pricer cela. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le plan véritablement français, européen, hein, au sens large. Voilà tous les scénarios qui sont posés. Et tout ceci, évidemment, évolue dans un contexte où on a effectivement les marchés américains qui sont certes très hauts, mais qui sont certes très hauts avec pour autant quand même eh bien, un certain nombre de valeurs, c'est ce que nous indique ce graphique, très restreint, qui arrive à surperformer le S&P 500, puisque parmi les 500 valeurs du S&P 500, il n'y en a que 17 % qui font mieux que le S&P 500, hein, alors que d'habitude on est plutôt aux alentours de 49 %. Voilà, la moyenne en tout cas c'est 49 %. Et donc voilà, on a effectivement très peu de valeurs qui tirent finalement les indices. Et donc on se dit que lorsqu'on regarde effectivement ces valeurs-là, hein, bon, les Nvidia, les Apple, etc., lorsqu'on regarde les graphiques, on se dit quand même, on est à des niveaux alors de valorisation très élevés, encore que bon, c'est contestable, mais en tout cas à des niveaux de valorisation élevés, Apple, etc., à des niveaux techniques également très élevés, et on se dit, purée, il faudrait pas qu'en plus de tout ça, on est des marchés américains qui viennent à consolider parce que là, pour le coup, ça pourrait mettre un coup supplémentaire à toutes ces incertitudes. Et clairement, on n'a pas besoin de ça actuellement.
Ok? Et j'ajoute encore à tout cela, je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments quand même négatifs actuellement. On a vu ce matin, alors cet après-midi, il y aura les PMI manufacturiers et les PMI des services aux États-Unis, donc ce sera très intéressant. Au moment, probablement, vous regarderez cette vidéo, allez voir ce que sont les PMI aux États-Unis, pour voir un petit peu la santé également aux États-Unis sur le mois de juin économique. Mais en tout cas, ce matin, on a eu les PMI manufacturiers et des services en France qui sont quand même extrêmement négatifs, largement inférieurs aux attentes, largement inférieurs à ce que c'était précédemment. Et les PMI manufacturiers en Allemagne, on sort à 43, c'est catastrophique, hein. On ne va pas se le cacher. Donc voilà, tout ceci, il ne faudrait pas qu'en plus du contexte extrêmement anxiogène, politique, et éventuellement une crise sociale qui nous pend au nez, il ne faudrait pas en plus qu'on se tape quand même une crise économique majeure. Voilà. Donc tout ceci, évidemment, eh bien, nous fait dire que ben, voilà, tout ceci est extrêmement difficile. Et donc voilà, c'est compliqué, évidemment, dans ce contexte-là, d'avancer. Alors, y a-t-il des éléments positifs? C'est ça aussi la question. Alors, moi, je pense que oui, hein, il y a des éléments positifs parce que, évidemment, on a eu la preuve, hein, par le passé en général, lorsqu'on a des graves crises derrière, les marchés se sont toujours relevés. Alors, parfois alimenté bien évidemment par les banques centrales, etc. Mais on le voit, hein, notamment sur les pays qu'on a sauvés dans la zone Europe. En 2008, je pense notamment à l'Espagne, pays auquel je suis très attaché, bien évidemment, voilà, qui aujourd'hui, quand même, est une des plus fortes croissances en Europe, etc. Donc, tout ça pour dire qu'en général, de toute façon, lorsqu'on est dans un changement de cycle, il faut passer évidemment par des crises importantes. Et derrière, en général, on s'en relève plutôt bien. Donc ça, c'est vraiment le message des sports aussi, c'est qu'il faut bien comprendre que voilà, la peur peut arriver, la panique peut arriver, mais que derrière, en général, on s'en relève assez bien. Et on a la capacité quand même, en tant qu'Européen, en tant que Français et être humain, on arrive globalement à se relever. Alors, en conclusion, que faire? Parce que effectivement, en fonction de votre profil, la question que l'on se pose, c'est voilà, ben, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, voilà, j'ai exprimé un petit peu, si vous voulez, quatre profils. Vous pouvez être les quatre en même temps, d'ailleurs. D'abord, DCA, parce qu'effectivement, c'est la grande mode, hein, faire du DCA. Le DCA, Dollar Cost Average, ça veut dire qu'on investit tous les mois une somme sur des actions à éviter pour moi, mais surtout sur des indices mondiaux, hein, des ETF notamment. Et donc, la question que tout le monde se pose, c'est, et je l'ai vu malheureusement sur les réseaux, c'est est-ce qu'il faut que je continue mon DCA dans cette incertitude-là? Moi, je pense que oui. Le DCA, par définition, c'est j'investis tous les mois, quoi que fasse le marché. Et donc, si vous voulez avoir une performance qui est la plus ressemblante possible à la performance des marchés financiers, il vous faut investir sans discontinuité à chaque fois. Et donc, je pense que voilà, si vous êtes investisseur DCA, vous réfléchissez pas, vous continuez à faire votre DCA tous les mois, et puis voilà. En gros, vous fermez un petit peu les yeux sur éventuellement le contexte. Deuxième profil, c'est les long-termistes. Long-termistes, notamment sur les actions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Long-termiste, moi je pense que globalement, alors si vous avez déjà des positions, effectivement, je pense qu'éventuellement il faut pas. Enfin, je dis souvent éventuellement, on me l'a reproché d'ailleurs, je fais attention, je vais faire attention. Je pense que effectivement les long-termistes bien, doivent conserver leurs convictions. Et je pense que par contre, si vous avez du cash, éventuellement quelques petites positions sur, et on le verra, sur quelques actions au cas par cas, sur quelques zones, mais globalement, gardez du cash parce que si vous avez de la volatilité, vous pouvez peut-être attraper des zones véritablement beaucoup plus intéressantes pour du moyen long terme. Le swing trading, pour moi, je vous explique ma position et celle qu'on a donnée, hein, sur le salon. C'est que là, on a joué quelques rebonds, effectivement, même en swing trading. Mais moi, avant les élections, enfin, 100% cash avant les élections et pendant les élections, on verra, on laissera passer et on verra éventuellement après. Mais en swing trading, pour moi, globalement,
on reste sous-investi, voire même pas sous-investi, désinvesti totalement. Et enfin, les intradays, bah, les intradays, moi je vous l'ai dit, hein, les intradays, c'est là pour moi, c'est les excès, notamment le matin, entre 9 et 10 heures, souvent il y a des excès, on l'a vu ces dernières séances, sur des petites caps notamment, hein, je pense à Lexi Book, je pense à voilà, des petites valeurs de qualité. Donc ce que je vous invite à faire, bien évidemment, dans tous les cas, surtout je pense aux long-termistes et aux intradays, c'est bien évidemment d'ores et déjà, et cette vidéo, je l'espère, va être une vidéo un petit peu plus long terme, préparez vos zones, hein, et en fait, vous mettez vos ordres dès maintenant sur les zones qui vous intéressent, comme ça, vous n'avez pas besoin de vous en occuper, et puis si les zones sont touchées, eh bien ma foi, vous rentrerez sur les valeurs qui vous plaisent. Voilà, je rappelle simplement qu'on a réalisé il y a 3 semaines, je crois, une vidéo sur l'actualité économique des marchés avec mes amis Valentin Offran et Thomas Andrieu. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo si vous êtes intéressé par l'économie et que vous voulez avoir des éléments de base pour pouvoir éventuellement progresser. Voilà, bon, voilà, c'était une introduction effectivement longue, mais je pense quand même globalement nécessaire pour pouvoir, voilà, avoir tous les éléments, encore une fois, et je le redis pour la dernière fois, j'insiste, mais c'est important pour moi que vous compreniez toutes et tous ça, c'est qu'il n'y a pas de jugement, de quel qu'il soit, sur les partis politiques et sur ce que vous pensez. Moi, je pense que du moment où on vote pour un parti démocratique, on a le droit de penser ce qu'on veut. Voilà. Si le parti n'est plus démocratique, c'est que c'est un problème, c'est un autre problème que celui des Français. Voilà. Et donc, on a le droit de penser ce qu'on veut. Mais voilà, là où c'est intéressant, par contre, et c'est dommage, hein, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, voilà, il y a beaucoup d'engouement et des fois beaucoup de méchanceté, beaucoup de violence lorsqu'on débat. C'est dommage parce que du coup, on ne peut plus débattre. Et globalement, bon, ça n'amène rien de positif pour nous, en tout cas, de se battre pour de la politique sur les réseaux sociaux. Je ferme la parenthèse et on attaque donc sur le CAC 40. Donc, le CAC 40, si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah, on a eu quand même un rebond technique. Rebond technique, somme toute logique, puisque effectivement, on avait cette première zone des 7005, on va dire, grosso modo. Et on voit que, alors c'est un graphique mensuel, on voit que en mensuel, on a eu effectivement potentiellement un début de marteau en formation, en tout cas une réaction, hein, une réaction très positive. Lorsqu'on zoome, cette réaction, elle n'a pas eu lieu n'importe où. Encore une fois, l'analyse technique a été grandiose, hein, là-dessus, puisque on est venu regarder l'analyse technique. Donc on avait un gap haussier à 7464,20 et on a fait un plus bas à 7464,84. Voilà, pour ceux qui doutaient encore de l'analyse technique, il faut croire que bah, là aussi, encore une fois, elle a fait mouche. On a eu cette semaine effectivement un rebond, une petite conso, hier une superbe bougie. On a globalement, hein, pour moi, la mise en place d'une réduction de la volatilité. On voit, regardez, la force de la baisse. Depuis le 15 mai, on a effectivement on a eu 20 séances avec une baisse de 10%, ouais, 10%. Et derrière, voilà, en 4-5 séances, on est quand même arrivé à reprendre jusqu'à 3%. C'est un rebond technique. Là aussi, pour celles et ceux qui aiment les fibos, bon, on peut tracer éventuellement des fibos. Pour moi, l'objectif, je vais viser un premier objectif des 7007. On a fait pour le moment 7685. Le deuxième objectif pour moi, c'est de revenir dans l'ellipse rouge ici. Donc, c'est peut-être éventuellement ce qu'on va tenter de faire la semaine prochaine. C'est là où il va falloir faire effectivement attention. Voilà, grosso modo, parce qu'on sera toujours sous l'effet de l'oblique, etc. Pour moi, véritablement, pour repartir en tendance haussière, il faudra se débarrasser de cette oblique ici en rouge et repasser pour moi le niveau des 7008. Voilà. Tant qu'on est sous les 7008, pour moi, c'est les vendeurs qui ont la main et les probabilités, alors il y a un gap ici à les combler également, les probabilités qu'on ait une nouvelle attaque, si vous voulez, tant qu'on est sous les 7008, probabilité qu'on ait une nouvelle attaque pour retrouver les 7005 et ensuite et retrouver éventuellement le support oblique de long terme qui est ici. Je vais vous le mettre, voilà, qui est le support oblique qui passe entre les plus bas de mars 2020 et les plus bas de septembre 2022. Et là, éventuellement, pour moi, alors là, par contre, on aurait quand même une belle première opportunité, je pense, sur beaucoup d'actions aux alentours, voilà, des 7002, 7003, on verra, on affinera. Voilà. En revanche, voilà, s'il y a un effet soulagement, si par rapport au scénario que je vous ai expliqué en introduction,
on a effectivement un effet soulagement, etc. Si on repasse au-dessus des 7008, bah, à ce moment-là, on reprivilégiera effectivement de l'achat, notamment en swing trading. Voilà. Grosso modo pour les explications. Ce qui est intéressant quand même à noter, donc évidemment, on est sous l'influence de la moyenne mobile à 10 jours depuis, regardez, depuis le 22 mai. Regardez cette moyenne mobile qui est sans discontinuité baissière. Donc pour moi, quand on est voilà, sous la moyenne mobile à 10 jours qui est baissière, pour moi en swing trading, il vaut mieux vraiment éviter, à part jouer des rebonds, pour moi c'est quand même compliqué. Ce qui est effectivement un petit peu, voilà, un petit peu inquiétant, c'est que la moyenne mobile ici, vous voyez en hebdo, bon, on l'avait cassé ici, c'était aux alentours du 20 mai, que depuis on a eu une accélération. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, quand on est sous la moyenne mobile à 10 semaines, soyez beaucoup plus vigilants. On le voit, dès qu'on a eu des petits signaux, ça a été négatif. Et en mensuel, voilà, c'est là où tout se joue quand même sur le long terme. C'est est-ce que, donc la tendance de court terme et de moyen terme, les tendances de court terme et de moyen terme sont retournées à la baisse, ça c'est vrai. Mais la tendance de long terme, tendance vraiment de long terme, pour moi, elle n'est pas encore retournée baissière. Et pour moi, elle sera retournée baissière uniquement si on arrive si on repasse sous les 7005 pour faire simple. D'accord? Voilà un petit peu les niveaux globalement pour le CAC 40. Alors le CAC 40 il a souffert, mais alors évidemment l'indice qui a le plus souffert hein, c'est les small cap. Les small cap qui elles sont revenues sur un niveau clé. On est revenu pour moi, donc souvenez-vous, ce biseau ascendant derrière, pouf, on est venu chercher le premier niveau de support. On l'a vu, il y a eu une réaction, mais timide. Derrière, on a revendu. On est allé chercher le deuxième niveau de support. Pour moi, c'est le dernier. C'est le dernier avant véritablement de passer en tendance baissière de long terme. Donc pour moi, sur les small caps, tant qu'on tient ce niveau, allez, on peut même aller jusqu'au 11 100. Tant qu'on tient le 11 100, il y a encore de l'espoir. Si vous voulez, il y a encore de l'espoir et tout n'est pas totalement foutu, entre guillemets, pardon de l'expression. Là aussi, on voit que ben, là, on est dans l'attentisme. Hein. Voilà. On a la mise en place tout simplement d'une congestion. On voit certainement que voilà, là aussi, il doit y avoir une baisse des volumes. On le voit extrêmement bien ici. Donc, baisse des volumes, baisse de la volatilité, réduction de la volatilité, construction. Et là, pour moi, bon, c'est assez simple. Hein. Si on arrive à s'installer au-dessus des 11 630, on relance éventuellement pour aller chercher les 12 400. Et si en revanche on repasse ici sous les 11 300 points, 11 200 points, là par contre, on relancera une tendance baissière de fond. Et là, il faudra être extrêmement vigilant parce que pour moi, ce sera la descente aux enfers. Et là, on retrouvera très certainement les 10 000 points. Donc voilà, en gros, mais pour le moment, c'est de l'observation. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Je dirais même que, ben, ma foi, si à un moment donné, on arrive à repasser au-dessus des 11 600 et recasser à la hausse la moyenne mobile à 10 jours sur le CAC Small, on repassera pour moi acheteur de moyen terme. Hein, je parle sur les small caps. Évidemment, les traders les plus actifs, les plus agressifs ont déjà éventuellement pris quelques positions sur certains dossiers en excès baissier. Voilà un petit peu. Si vous voulez, le CAC et le CAC Small. Alors, on va passer aux actions. Je vais faire comme la semaine dernière, parce que je vois que ça vous a plu. Je vais prendre du recul, hein, beaucoup de recul, puisque effectivement, bon, pour moi, le swing, il faut laisser tomber jusqu'aux élections. Je vais plutôt, dans cette vidéo, vous donner des zones. Alors, on va se mettre beaucoup sur des graphiques hebdomadaires. Hein. Air Liquide. Air Liquide pour moi, hein, alors Air Liquide, c'est vrai que souvent on me dit ouais, Air Liquide, t'es pas aussi positif que la majorité des gens. C'est vrai que Air Liquide, ouais, je vous en parlais sur l'autre canal, je vous dis, moi je suis pas acheteur, plutôt le bas de canal, me suis fait engueuler d'ailleurs, et puis finalement, bon, ben, ça a baissé. Bon, alors il y a eu effectivement les actions gratuites, etc., hein, évidemment, mais bon, malgré tout, on a eu une baisse supplémentaire. Alors, quoi qu'il en soit, hein, moi pour moi, je pense que véritablement, on peut évidemment prendre un petit peu d'air liquide ici, hein, chacun fait comme il veut, mais je pense que l'opportunité en tout cas serait plutôt dans cette zone-là pour vouer éventuellement un haut de canal. Donc je dirais que l'opportunité serait sous les 500, 153 jusqu'à 140, voilà, toute cette zone. Hein, alors on verra, si vous voulez, on fera un suivi, il n'y a pas de problème, je pense que ce sera sous cette zone. À noter, je vous en ai parlé également sur Twitter, quand on prend un petit peu de recul, regardez, c'est quand même assez presque magique hein, finalement.
Lorsque vous mettez, regardez un petit peu, vous mettez votre graphique en unité de temps hebdo, d'accord? Vous mettez une moyenne mobile à 200 semaines et regardez sur Air Liquide, dans toute l'histoire de Air Liquide, à chaque fois qu'on est allé, qu'on s'est introduit sous la moyenne mobile à 200 semaines, ici, 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 et potentiellement ici, à chaque fois, donc il y a quand même des occurrences hein, depuis 1990, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 occurrences, chaque fois qu'on s'est introduit sous la moyenne mobile à 200 semaines, à chaque fois, derrière, quelques mois plus tard, on a tiré des bénéfices exceptionnels, puisque, vous voyez, par exemple, ici, à chaque fois, si vous avez pris, allez, on va dire même au niveau de la moyenne mobile, hein, je ne parle même pas du plus bas, derrière, là, c'était un bénéfice de 37%. Ici, c'était un gain jusqu'à 31%. Ici, avant de faire un nouveau plus bas, hein, je parle, hop, hein, je vais zoomer. Voilà. Je voulais pas. Voilà. Ici, donc, à partir du moment où vous introduisez, hop, ici, donc, il faut rester un petit peu en dessous, hein, évidemment. Bon, ici, on va dire, bon, voilà, le gain, évidemment, était fabuleux. Alors, avant de faire un nouveau, avant de repasser dessous, on va dire, allez, avant de repasser dessous, donc là, c'était quand même un gain de 116. Ici, avant de repasser sous la moyenne mobile, hop, en gros, allez, on va dire par là, c'était quand même un gain de 76%. Et ici, c'était un gain, donc ça, c'était octobre 2022. Et ici, c'était un gain jusqu'à 65%. Donc, vous voyez, entre 30 et 100% quand même de gain. Ça tombe bien, puisque je suis à peu près persuadé que, voilà, on aurait là aussi, entre le bas et le haut de canal, un potentiel de gain assez intéressant. Donc voilà, je pense que cette zone-là peut être, pour les investisseurs de long terme qui pensent que Air Liquide, c'est une belle action, je le pense également. Mais je préfère acheter quand même sous les 150, 2, 3. Ça peut être une belle opportunité, voilà, pour aller. Voilà, grosso modo. Encore une fois, je prédis pas l'avenir. Alors certains me disent oui, mais je préfère attendre un signal acheteur, tout ça. Encore une fois, signal acheteur, quand on attend un signal acheteur, c'est qu'on est trader. Hein. Grosso modo, un investisseur, lui, il définit des zones, etc. Deuxième zone, si ça lâche, parce que ça peut lâcher, il y a deux zones, cette zone-là, et vraiment, si ça lâche, il y en a une dernière. Qui est importante sous les 120. Mais là, ce sera vraiment qu'il y aura eu une catastrophe sur les marchés. Stellantis. Donc, Stellantis, moi, j'ai toujours le même avis. Donc, on a touché pour moi, voilà, pour moi, la zone clé, je vous l'avais indiqué. Alors, quand on a fait les 20 meilleures actions, on était là. C'était au mois de mars de cette année. Et je vous avais dit, voilà, moi, j'attends la zone ici. Alors là, pareil, hein, tout le monde disait, c'est impossible que Stellantis revienne sur les 18 euros. Vous avez indiqué les 18 euros. Et puis Stellantis a perdu 33% et a touché les 18,20 €. Et donc, je pense que oui, je confirme, pour moi, cette zone, effectivement, cette zone-là est une première zone intéressante pour investir. Une seconde qui peut être intéressante, c'est la zone de, je sais qu'il y en a certains qui se reconnaîtront, certains qui notent sur un calepin. Qui se reconnaîtront et donc du coup ils peuvent noter sur leur calepin une première zone, voilà la zone où nous sommes et la deuxième zone aux alentours des 13 et des 14 euros. Voilà grosso modo ce que je voulais vous dire pour Stellantis. Je pense que c'est un titre intéressant fondamentalement, voilà, en termes de valorisation, c'est un PER quand même qui est très faible. Alors on peut après discuter, hein, dire que Stellantis n'a pas d'avenir, etc., etc. Mais moi je pense que c'est un groupe, un très bon groupe, très bien géré, et que effectivement ça reste également intéressant. Dassault Systèmes, pareil, Dassault Systèmes, ça fait des mois qu'on en parle et ça fait des mois que je vous dis la zone que j'attends elle est là. Souvenez-vous, pareil, au début de l'année, on me fait engueuler, pareil, ouais, c'est pas possible que Dassault Systèmes vienne toucher la zone des 30 ou 33, et puis derrière, Dassault Systèmes, elle a perdu entre les plus hauts et maintenant, elle a perdu quasiment 30%. Et c'est là où vous devez faire, voilà, c'est là où il ne faut pas craquer, et c'est là qu'il faut respecter ses plans. Alors, les plans pour Dassault Systèmes, j'en ai deux, on est presque arrivé dans la zone qui m'intéresse. Allez, on va dire que sous les 34, 34 jusqu'à 31, c'est la première zone. La deuxième zone qui peut être intéressante, c'est la zone de, on va dire, aux alentours des 20, 20, 21, 22, toute cette zone peut être intéressante. Si vous achetez, effectivement, allez, on va dire même une moitié de position ici, une moitié de position là, ça vous ferait un prix, grosso modo, aux alentours des 27 euros. Ma foi, pour une tendance haussière et pour viser à long terme un retour éventuellement sur les plus hauts, je ne parle pas demain matin, hein, je parle dans plusieurs années. Ça peut être quand même globalement, je pense, assez intéressant. Ok? Voilà pour ça. Hermès, alors Hermès, moi, pour moi, n'est pas typiquement dans une configuration
une configuration d'opportunité forte. On est effectivement, il y a eu un repli, hein, effectivement. On revient éventuellement sur une première zone plus trading, qui peut être la zone des 2000, grosso modo, pour éventuellement jouer. Voilà. Mais le ratio gain-risque n'est pas extrême. En revanche, j'ai deux zones qui peuvent être plus intéressantes si on vient toucher donc ce support oblique. Donc on verra où il se situe, mais grosso modo, je pense qu'il est plus aux alentours des 1006. Et enfin, si ça dégénère, beaucoup plus bas, aux alentours des 1000. Voilà. Les deux zones, alors ça reste une belle tendance, mais je pense qu'on peut avoir un titre, voilà, là aussi, qui rentrerait dans une certaine forme de normalité, là aussi, à moyen long terme. Et peut-être qu'on aura, voilà, quelque chose de beaucoup plus long. Et donc vous pouvez avoir, alors, une action qui est certes résiliente, mais qui, globalement, peut-être, n'aura pas une performance aussi impressionnante ces prochains mois, ces prochaines années que les dernières. Peut-être. Voilà. Soprasteria, alors c'est une action qui m'intéresse également, mais pour moi, on n'a pas encore touché des niveaux de prix extrêmement intéressants. Moi, Soprasteria en hebdo, je la tracerai globalement, voilà, globalement comme ça. On est plutôt ici, voilà, vers un excès, entre guillemets, un léger excès qu'on a corrigé d'ailleurs, hein, puisque Sopra a quand même perdu la bagatelle de 25%, c'est pas rien. Effectivement, alors il y a un premier niveau éventuellement de support oblique qui pourrait se situer là pour les plus agressifs, éventuellement aux alentours de la moyenne mobile d'ailleurs à 200 semaines. On va dire grosso modo aux alentours des 177, quelque chose comme ça. D'ailleurs, voilà, vous avez un niveau également ici, là, qui peut être intéressant. Mais vraiment, l'opportunité forte se situerait un petit peu plus bas. Voilà, se situerait plutôt aux alentours de ce bas de canal. Alors, ça peut mettre du temps, hein, on peut l'avoir beaucoup plus tard, on peut l'avoir dans plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Mais en tout cas, si on y revient, vous voyez, ce sera probablement une opportunité quand même assez intéressante pour les. Pour les long-termistes. Bon, on fera le suivi, hein, vous inquiétez pas, on en est encore loin. Sauf si évidemment on a un flash crash. Mais à ce moment-là, voilà, je ferai tweet et vidéo pour vous alerter. Ensuite, Vinci. Alors, Vinci, on en a parlé la semaine dernière. Voilà, on avait parlé la semaine dernière donc, de cette zone. Ouais, elle a fait le rebond. Elle a fait le rebond, donc voilà, pour le trader, alors, nous on l'a joué un petit peu, hein, en swing également, mais bon, voilà, pour le moment c'est un rebond timide. Éventuellement, on peut poursuivre la semaine prochaine du rebond, mais il faudra faire attention. Donc première zone, donc c'est la zone que vous avez proposée de manière agressive, c'est celle qui a été touchée la semaine dernière, donc 97-98, et la deuxième, alors pour le coup qui serait vraiment intéressante, c'est la zone où il y a des ellipses bleues, vous voyez, bleues. Je suis daltonien, moi, apparemment, maintenant. Je me découvre des qualités. C'est la zone plutôt, voilà, en vert, plutôt, sur voilà, la zone, grosso modo, des 83 jusqu'à 86, 87, 90, éventuellement, qui serait plutôt une zone plus intéressante, en tout cas, qui serait plutôt associée à une opportunité forte de moyen long terme. On passe évidemment aux médias, puisque, et notamment aux chaînes télé, puisque évidemment elles ont beaucoup corrigé devant la crainte d'une nationalisation, pardon, le contraire, une privatisation certaine. Donc voilà, éventuellement, voilà, TF1 qui a énormément corrigé, énormément baissé. Voilà, 18% de baisse. On n'est plus très loin d'une zone qui peut être intéressante. Donc pour moi, éventuellement, voilà, retour sur la zone des 7 euros. Voilà, 7 euros peut être vraiment sous les 7 euros, 10, 7 euros 20, peut être une zone intéressante pour aller chercher l'objectif ici. Et éventuellement, la zone ici des 11 euros et quelques. Donc c'est la même chose pour le titre Métropole TV, M6, donc Métropole, elle est où? Elle est là, donc pareil, hein, grosse chute. Alors elle est un petit peu mieux que TF1. Alors là, ce qui me gêne, voilà, c'est qu'on avait la cassure de l'oblique ici, on a fait le pullback, et là on a du mal à reprendre. Bon, je vais peut-être pas la laisser, mais en tout cas, ce qui serait vraiment pour moi une belle opportunité, hein, sur M6, ce serait, voilà, un retour dans cette zone-là,
Voilà, dans la zone qui va de 9 euros jusqu'à 10 euros, 10 euros 50. Toute cette zone-là peut être véritablement une opportunité. Alors, ce n'est pas des titres de grande qualité, hein, évidemment. Voilà, ça peut être, on peut arriver à des niveaux de valorisation quand même qui sont assez intéressants. Dans Métropole TV, plus dans cette zone-là. Pour le reste, voilà, c'est plus du trading court terme, donc je laisse tomber. De Richebourg, alors, c'est un titre qui m'intéresse, moi. Toujours pareil, parce que alors j'ai du mal à la choper, parce que pour moi je pense qu'elle est encore volatile, donc il faut attendre dans la mesure du possible comment dirais-je, un peu de... Voilà, vous voyez, on a cette espèce de pullback là, donc sur des graphiques hebdo hein, là-dessus, donc il faut patienter un petit peu, évidemment, mais après les élections, éventuellement, ça peut être intéressant de la regarder, de Richebourg, je me mets en... Hop, voilà. Je vais effacer tous mes dessins. Mais le problème de Richebourg, si vous voulez, c'est qu'elle ne construit pas proprement. Il n'y a pas beaucoup, vous voyez, il y a pas beaucoup, quand on l'observe, il n'y a pas beaucoup de réduction de volatilité. Il n'y a pas beaucoup de. Elle n'offre pas beaucoup de portes d'entrée, si vous voulez. Techniquement, les mouvements sont intéressants. Mais elle n'offre pas beaucoup de portes d'entrée. Et elle est voilà, extrêmement erratique. Donc, avec des stops courts, souvent, c'est un peu compliqué. Donc, idéalement. Ce qu'il faudrait, c'est que voilà, on ait à nouveau voilà, une belle congestion par là. Et à ce moment-là, on jouerait cette espèce de mouvement-là. Voilà. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse sur le plan technique et fondamental. Mais je suis toujours, je resterai globalement en observation. Aramis, donc on avait suivi précédemment, souvenez-vous, on l'avait suivi ici, ici. Regardez, une fois qu'on a tapé les deux TP, c'est ce que je vous explique souvent, hein. Cassure du top, tout le temps, je vous le dis, cassure du top, c'est là qu'on fait attention. Et regardez, là, ça n'a pas loupé, cassure du top. Une fois qu'on a cassé le top, derrière, on a une chute de 22%. D'accord? Pensez aussi toujours à prendre vos bénéfices. Je nettoie tout ça, puisque ça n'a plus d'intérêt. Voilà. Donc là, pour le moment, on a encore trop de volatilité pour moi. Vous voyez, paf, paf, ça construit, etc. Ça rebondit. Je pense que Aramis est en train de construire une figure qui va très certainement être un petit peu plus longue. Donc il va falloir attendre. Éventuellement, si elle nous l'offre, hein, c'est pas obligé. Ce genre de, voilà, ce genre de scénario avec une belle réduction de la volatilité, on commence à avoir un affaiblissement là aussi des volumes, donc ça c'est pas mal. Mais voilà, pour le moment, il y a encore trop de volatilité pour moi. Alors pour vouer des mouvements court terme comme ça, alors ça va vite, hein, voilà, pour vouer des mouvements de 5-10% sans problème. Mais pour moi, voilà, pour le moyen long terme, il vaut mieux encore un petit peu patienter. Vous voyez, même en hebdo, hein, en hebdo, je pense que c'est le graphique n'est pas forcément hyper, hyper intéressant encore. Le grand, on en avait parlé également, vous avez dit que pour moi, ce n'était pas une opportunité sur ces niveaux-là. Et effectivement, hein, vous voyez, derrière, voilà, on avait tracé les flèches. Donc, on en avait déjà parlé de le grand. Donc, je change pas d'avis pour moi, là, sur ce niveau-là. Alors, oui, effectivement, vous pouvez avoir du rebond. Regardez, il y a effectivement une zone, là, de support, etc. Donc, pour les traders, oui, effectivement, vous pouvez jouer du rebond, même pour aller chercher les plus hauts. Mais, vous voyez, vous avez une espérance de gain de quoi? De 10%. Pour moi, ce n'est pas forcément intéressant, à part si vous faites du trading. Pour les moyens long-termistes, pour moi, c'est là, c'est plus bas. Effectivement, là, dans la zone sous les 80, grosso modo, que là, par contre, ça peut être véritablement intéressant. Première zone, donc, sous les 80. Deuxième zone, notez sur le calepin. Deuxième zone qui sera, je dirais, plutôt aux alentours des 65 jusqu'à 67. D'accord? Les deux zones, grosso modo, elles sont là. Voilà, mes ellipses sont un peu larges, là, pour le coup. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Je ne fais pas de... J'allais dire, je ne fais pas de dessin, mais si, un peu quand même, du coup. Voilà, le grand réalité. Alors, réalité, bon, c'est une foncière. Hein. C'était une belle foncière, mais elle s'est fait massacrer, réalité. Alors, à l'époque, les dirigeants achetaient beaucoup, mais là, je crois qu'ils se sont surtout débarrassés. Voilà, donc réalité, bon, une foncière qui est dans la difficulté, eh bien évidemment. Donc, on revient sur les niveaux de rendez-vous compte de 2015, etc. Je pense, malgré tout, que, voilà, ça se surveille. Alors, fondamentalement, il faut vraiment bien connaître la société pour anticiper. Donc, je pense que vaut mieux pas trop quand même anticiper. Mais en tout cas, là où c'est intéressant, c'est qu'on est sur des niveaux intéressants. Et donc, je pense qu'il faut chercher également des signaux d'achat. Mais là, on n'a rien pour le moment. Donc, il y a deux possibilités. Alors, pour le moyen termiste, hein, là, je me mettrai voilà, tout simplement moyen termiste. Vous mettez une moyenne mobile, voilà, à 10 semaines et vous attendez qu'on repasse au-dessus pour avoir le signal. Donc vous avez votre moyenne mobile qui va faire ça. Et éventuellement, lorsqu'on repassera au-dessus,
vous aurez éventuellement le signal. Et le signal de moyen terme, pour moi, ce sera lorsqu'on cassera la résistance oblique ici en rouge. Ok. SPI. Donc là aussi, alors elle a bien réagi, hein, SPI, mais pour moi, voilà, pour le moment, c'est du rebond technique et j'attends toujours la zone qu'on avait décrite, qui est plutôt la zone sous les 30, on va dire à peu près, hein, sous les 30 euros. Il y en a une deuxième, éventuellement, qui sera voilà, globalement ici, on va dire aux alentours des 23, 24, 22, 23, 24. Voilà un petit peu les deux zones. Là, je pense qu'on risque d'avoir là aussi du zigzag sur SPI. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça avant éventuellement de repartir. Donc, trader comme investisseur, c'est cette zone qu'on va éventuellement surveiller. Nikon, secteur des jeux vidéo, Kabuk qui est revenu en arrière, mais qui s'est reprise. Alors, hier, elle s'était reprise. Là, c'est un petit peu plus difficile. Donc, voilà, pour le moment, on n'a pas véritablement de signaux. On revient sur les plus bas, à toute cette zone ici. Voilà, côté trading, donc là vous souvenez-vous, hein, on a vu à l'époque cette congestion, on a pété par le haut. Je vous avais dit ce qu'on attend désormais, c'est une congestion qu'on a eu d'ailleurs, qu'on a eu ici, qui était en préparation, mais derrière effectivement pouf, ça a lâché. Donc pour moi ici tout est à refaire, donc on reprend un petit peu tout. Ce qui est plutôt positif, c'est que quand même là aussi j'ai la sensation qu'on est en train de travailler et de construire une figure, donc c'est plutôt pas mal. On va surveiller l'échange des volumes. Bon, il y a eu hier, c'est vrai qu'il y a eu un gros bloc qui a été échangé. Je crois que c'était 600 000 euros qui ont été échangés. Bon, c'est des blocs hein, qui passent, on verra. Mais voilà, grosso modo, pour relancer au niveau de Nikon, il va falloir péter le pivot des 1,27€ véritablement pour relancer. Je pense que voilà, là aussi, hein, rien ne presse. Regardez un petit peu le potentiel, hein, si vraiment on doit se retourner. Pour moi, c'est un titre qui est en construction et en potentiel retournement de long terme. Mais il faut attendre. Regardez la moyenne mobile à 200 jours. Elle est en train de s'aplatir, mais elle n'est même pas plate encore, ou à peine. Donc pour moi, hein, on est plutôt sur un titre là qui est en train de construire son retournement de moyen terme, potentiel. Mais il faut attendre. Et véritablement, voilà, on peut avoir du zigzag avant, je l'espère, qu'on ait véritablement de nouveau une tendance haussière. Mais on peut aussi, n'oubliez pas, hein, si on casse tout ça par le bas, évidemment, là, c'est adieu. Et puis, là, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, je pense qu'on est, voilà, on est là, on peut être au début de quelque chose, mais rien ne presse, encore une fois. Et ça peut zigzaguer. ALD, donc ALD, bah, là, souvenez-vous, on avait joué. On avait joué le break ici, on est venu tenter, bon je vous la mets comme trading, hein, parce que pour moi investissement, pour le moment on est sur les plus bas historiques, donc il faut faire quand même attention. On est venu dans la zone ici, qui était une zone de support, on a fait résistance, ça a été vendu. Le point positif, vous voyez je ne suis pas uniquement négatif sur ALD, mais le point positif de ALD c'est ça, c'est effectivement la mise en place de la congestion. On voit ces congestions un peu partout, évidemment, on est dans l'attentisme hein, de ce qui va se passer. Il n'y a plus grand monde qui veut prendre des risques. Ceux qui ont voulu sortir sont sortis. Ceux qui ne sont pas sortis se disent c'est un petit peu trop tard pour sortir. Donc, véritablement, il n'y a plus de mouvement. Mais là aussi, il va falloir péter le pivot des 5,60€. Et si on le pète, l'objectif sera de retrouver notamment le gap baissier qui avait été ouvert ici. Donc, le gap aux alentours des 6,96€. On passe au secteur du luxe, qui a été plus ou moins, on va dire, résilient. On a vu Hermès qui était pas mal. LVMH, c'est pas ça encore. Alors, ce qui est intéressant sur LVMH, quand même, c'est que alors, ce biseau descendant, il a pété par le bas. On a fait le pullback, on a relancé la baisse, donc c'est quand même très moyen. Je laisse quand même l'oblique, parce que pour moi, c'est cet oblique qu'il faut péter pour relancer à moyen terme. Je nettoie pour le reste mon graphique. Allez, je fais un peu de ménage, parce que tout ça, ça commence à être un petit peu vieux. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu LVMH, c'est vrai. Voilà, le gap, alors il reste ce gap-là qui n'a pas été encore totalement comblé. Je pense que voilà, cette zone peut être une zone quand même intéressante à suivre, que ce soit trading ou investissement, parce que ce sera éventuellement un support oblique de moyen terme. Donc on surveillera cette zone. Le signal sera donné par la cassure de l'oblique, éventuellement, pour pouvoir la relancer et retrouver les plus hauts historiques. On lâche tout ça. Objectif, donc si ça panique, objectif pour moi, pour les investisseurs, ce sera de revenir dans la zone des 530. D'accord ? Donc pour moi, première grosse zone. Deuxième grosse zone d'investissement, elle sera grosso modo là, aux alentours des 400€. Oui, ça paraît fou, mais rien n'est impossible. Ruby,
qui a beaucoup également corrigé. Donc elle aussi, c'était une performance de plus 22 depuis le début de l'année au moment où on a fait la vidéo, et c'est plus le cas aujourd'hui. Par contre, ce qui est très intéressant, et je vous en ai parlé sur Twitter, c'est qu'on est revenu sur un niveau clé. Niveau clé plus congestion, on voit, on est revenu sur un niveau qui a été travaillé ici tout au long du début de l'année 2023. On l'a breaké, on fait le pullback, quelle violence! Et on fait le double pullback puisque ça correspond également à une zone de support oblique. Congestion, il y a eu inside bar, double inside bar d'ailleurs. Ici, j'imagine que les volumes, je n'ai pas regardé, mais devaient être extrêmement réduits. Voilà, réduction également des volumes. Et d'ailleurs, on tente de breaker. Ouais, il y a des zones de gap à aller chercher. Donc pourquoi pas, en tout cas, c'est un titre moi qui m'intéresse. Et l'avantage, c'est que là aussi, le stop est court. Mais éventuellement, on verra ça après les élections également. Capgemini, on a touché un niveau qui m'intéressait également, un niveau que vous avez proposé dans la vidéo également des 20 meilleures actions. Je me mets en hebdo, là aussi, on avait proposé, souvenez-vous, cette zone-là, ben, elle a été touchée, la zone des 180 euros, il y a eu un petit rebond. Pour moi, sur Capgemini, hein, il y a trois zones qui sont assez intéressantes. Allez, je vais enlever ça. Voilà, il y a trois zones. 180 euros, nous y sommes. 160 euros. Et enfin, la zone des 110 euros qui devrait se situer par là. Voilà. Trader, effectivement, en journalier. Hein, donc là, on a effectivement. Donc là, il y avait une prise de position qui était jouable pour moi, qui était ici avec la belle réduction de volatilité. Hop, j'efface tout ça, ça ne sert plus à rien. Voilà, la prise de voilà. Ici, réduction de volatilité, réduction également, on le voit ici, très peu de volume. Et pour moi, il y avait un break à tenter avec un stop très agressif sous le dernier plus bas. Et l'objectif, c'est d'aller chercher. Bon, il y a des gaps. Hein. Il y a un gap qui est ici, il y en a un autre qui est là, grosso modo, et éventuellement les plus aussi à 214. Mais c'est du trading et Capgemini, c'est pas non plus une amplitude directionnelle folle. Donc voilà, c'est pas forcément un des titres sur lequel je m'orienterai en trading. Safran, un titre que, évidemment, vous le savez, j'adore, qui a quand même bien corrigé aussi. C'était plus 29 depuis le début de l'année. D'ailleurs, je vous avais parlé, vous avez indiqué, attention, on n'était pas sur un niveau extrêmement important. Du moins, un niveau d'opportunité fort, un niveau fort, on va dire. Donc, haut de canal, voilà. Voilà, après, même ici, hein, même malgré le. Voilà, à part pour du trading, malgré la baisse, pour moi, on est sur un titre qui risque, potentiellement, qui risque de. Je vais me le mettre en hebdo. Ce sera peut-être plus clair, moi même pas. Mais voyez, ouais, pour moi, on n'est pas sur un niveau d'opportunité. On peut aller faire des nouveaux plus hauts, bien sûr, mais si vous voulez, le ratio gain-risque, il n'est pas hyper, 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 hyper intéressant. Quand on voit ce genre de graphique-là, on se dit que c'est peut-être, voilà, c'est peut-être une correction et c'est peut-être le début d'une correction qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, vous pouvez avoir votre position sur Safran qui fait du zigzag. C'est peut-être dommage de bloquer, malgré le. J'adore le titre, donc c'est pas moi qui vais vous convaincre du contraire, mais malgré ça, je pense que c'est pas une opportunité forte. TEF, une superbe action. J'avais deux zones qui m'intéressaient. Je suis sur un graphique mensuel. La première zone, elle a été touchée. La zone des 114. La deuxième zone, elle est plus basse. Elle est aux alentours des 90. Donc c'est une action, moi, qui m'intéresse beaucoup. Étant donné que sur cette première zone, on n'est pas non plus sur un ratio gain-risque exceptionnel, je pondérerai plus en mettant peut-être un tiers de position là et éventuellement deux tiers de position là. On aura également certainement, là, je suis en graphique mensuel, la moyenne mobile à 200 mois qui va monter. Et je pense que voilà, si on a un repli par là, ça peut être également une belle opportunité. Vallourec, on avait touché la semaine dernière la zone qui nous intéressait sur Vallourec. Souvenez-vous, voilà, on avait parlé de cette zone ici, la zone des 14. Je me mets du coup en mode trading. Mode trading, vous avez dit la semaine dernière, voilà, vous avez dit voilà, on va avoir un rebond et derrière, ce qui va nous intéresser, c'est la construction de figures. Donc, c'est toujours le même avis. Ceux qui ont voulu anticiper ont payé les 14 euros, 14 euros 20, 14 euros 30 en mode d'investissement. Les traders, à part les plus agressifs, mais les autres, en tout cas, plus ceux qui ont un profil similaire au mien, attendent la réduction de volatilité, si elle a lieu, pour jouer éventuellement un nouveau trend, parce que je pense que là, par contre, on a des beaux ratios, et je pense que voilà,
on est peut-être sur quelque chose de beaucoup plus intéressant. Veralia, c'est la même chose, c'est un titre qui m'intéresse et qui est revenu sur un niveau, voilà, qui est revenu sur un niveau clé avant encore de relancer. Alors, ça tient hein, pour le moment, ce niveau des 35,70 € tient beaucoup. Ce niveau qui avait fait résistance ici, résistance ici, résistance ici, support, 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 support. On est dans la construction de figure, là aussi, vous voyez, hein, sur beaucoup, beaucoup de titres, c'est normal, on est dans l'attentisme, et donc on risque là aussi d'arriver sur un bout de figure. Et on verra si on a la capacité de casser cette figure par le haut et ensuite de relancer véritablement. Et là, ça va nous intéresser parce que l'objectif sera d'aller chercher les tops ici aux alentours des 44. Bam! Donc, je vous l'avais proposé, c'est une de mes actions fétiches. Voilà, on a des fois des affinités à certaines actions. Ben, là, c'est moi, c'est Bam depuis longtemps. Voilà, qui pour moi a l'objectif. Alors, je vais peut-être la mettre en mensuel. Ouais. La mettre en mensuel. Pour moi, l'objectif de BAM, c'est de revenir tester cette zone clé. Voilà. Je vais vous la mettre en rouge, que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Voilà. Revenir tester l'oblique baissière, voilà, qui est ici, revenir dans la zone. Donc je pense qu'elle a la capacité de revenir aux alentours des 4,15 €. Donc je suis en mensuel, je vais mettre en graphique journalier. Et pour moi, voilà, on travaille la zone. Donc ça, c'est bien. J'aime beaucoup le travail que BAM fait. Et ce que j'aimerais, voilà, beaucoup, c'est qu'on ait à nouveau une belle réduction de la volatilité par là pour jouer la cassure. Voilà. Et là, on aurait un potentiel pour aller chercher peut-être 10-15% de performance pour aller chercher les 4,70 €, 4,80 €. Et après, on verra, à condition qu'on ait la réduction de la volatilité qui nous permettrait, avec également la réduction de la baisse des volumes, qui nous permettrait d'avoir un stop court et donc un ratio gain sur risque assez intéressant. VGP, pareil, toujours en surveillance. Ouais, toujours en surveillance parce qu'on est là-dessus. Si vous voulez, on est sur un titre, bon, c'est une tendance haussière de long terme, hein, de fonds, action belge de mémoire, voilà, hein, secteur de foncière également. Donc on a cassé effectivement la moyenne mobile à 200 jours. Cette moyenne mobile à 200 jours qui était baissière est en train là aussi, enfin pas est en train, ça fait depuis grosso modo un an qu'elle est plate. Donc on est véritablement dans une phase de construction à plat. Et donc là, ce qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant sur VGP, c'est qu'on est en train de construire, on a une grosse réduction de la volate. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que je l'avais pas vu cette semaine, mais vraiment, c'est intéressant et une baisse forte des volumes. Ouais, c'est peut-être un des graphiques les plus intéressants. Voilà, donc on verra pour éventuellement une prise de position agressive, pourquoi pas tenter au-dessus des 102. Stop d'invalidation, bon, on va dire aux alentours des 95, hein, voilà, 95, 96. Et on visera dans un premier temps un retour sur les plus hauts ici aux alentours des 112. Et après, on verra en mode trend following. OK? Donc on verra éventuellement là aussi si ça tient jusqu'aux élections, si ça vaut le coup. Après, bon, la Belgique est moins exposée hein, éventuellement au risque, mais évidemment tout est un petit peu lié. Hein, donc quand le CAC 40 explose, voilà, le Belvin, l'indice belge aussi subit évidemment des conséquences. On part aux États-Unis, donc avec McDo. Donc McDo, bah, toujours quand même en difficulté. Pour moi, voilà, on avait cette oblique ici en vert. Cette oblique, elle a été cassée. Donc il y a eu le rebond, voilà, elle a été cassée. Il y a eu le rebond technique vendu. Alors, tout n'est pas perdu pour McDo pour autant. Hein, mais pour moi, c'est certainement de la construction de figure en mode range. Alors, on risque de faire du zigzag là-dedans. Et après, on verra. Cassure par le bas. Attention, gros danger. Mais en revanche, effectivement, si on arrive à repasser au-dessus, réintégrer la figure, etc., ce sera un signal en revanche beaucoup plus positif. Donc si on arrive à repasser au-dessus des 264 $, c'est positif. On repasse en dessous des 247 $, attention, ça peut véritablement partir à la baisse. Et si c'est le cas, si ça part à la baisse, quels sont les niveaux clés? On aura un niveau clé aux alentours des 220, voilà, 217, 220, qui sera un premier niveau quand même globalement intéressant. Celsius, donc également, qui est intéressante. Bon, belle tendance haussière, donc ça a beaucoup corrigé, hein, mais bon, c'est une action qui est volatile. Hein. Donc il y a une correction
de 43%, c'est impressionnant, mais c'est une action qui a l'habitude de faire ça. Hein. Précédemment, regardez ici, on avait une correction de 30%, ici, nous avions une correction de 34%, ici, nous avions eu une correction de 67%. Donc, voilà, pas d'inquiétude outre mesure, jusqu'ici, c'est quelque chose de courant hein, pour le titre. Et souvent, ça a été des opportunités d'achat. Je vous la mets en hebdo ou en journalier. Ouais, en hebdo, allez. J'efface tout ça. Je vous la mets en hebdo. En hebdo, ce qui est intéressant, hein, c'est que voilà, on a ça. Voilà, on a quelque chose qui est comme ça. Donc pour moi, alors on a effectivement des rebonds, hein, mais on a deux zones qui pour moi sont véritablement intéressantes. Voilà, on a une première zone ici aux alentours des 50, 51, 52, 53. Et une deuxième zone qui sera globalement ici aux alentours, là pour le coup, des 35, 40 dollars. Voilà. Les deux zones qui pour moi seraient véritablement intéressantes pour le titre, pour jouer du rebond. Alors, jouer du rebond en mode trader ou investissement, hein, éventuellement. Donc là, je privilégierais peut-être 40% et 60% de taille de position. Voilà, là-dessus, pour jouer un graphe à moyen long terme. L'avantage, c'est que clairement, si vous achetez un petit peu ici, un petit peu là, vous allez avoir un prix grosso modo aux alentours des 40 dollars. Si vous visez les plus hauts, vous voyez, le potentiel de gain est quand même beaucoup plus élevé. Le ratio gain-risque est quand même très intéressant. J'accélère parce que je suis déjà à 1h05, Dell, également, qui est une entreprise intéressante. Beaucoup de volatilité sur Dell. Alors, il y avait vraiment une prise de position qui était super intéressante à jouer. C'était celle-ci. Voilà, donc, je fais la météo de la veille, là, clairement, parce que je ne l'avais pas vue. Mais c'était ouais, c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Et sinon, je trouve qu'au vu de la volatilité qu'on voit là, pour moi, c'est un début de figure, ça. Pour moi, c'est un tout début de figure. Et je verrais bien le titre en train de construire quelque chose, voilà, de beaucoup plus long, beaucoup plus lent. Donc, je pense qu'on peut avoir éventuellement un été avec beaucoup de zigzags, globalement, sur ce genre de titre. Donc, ça n'enlève rien à la tendance haussière, hein, bien évidemment. Vous voyez, là, effectivement, on avait une zone de support. Donc, on a fait résistance, résistance, cassé, support, derrière, on relance. Mais voilà, je pense que on peut avoir là aussi voilà, un petit peu de volat. Donc on verra. Tac. Ce qui serait vraiment intéressant, c'est qu'on est derrière donc ce mouvement-là, comme ça, réduction de volatilité. Et si on a une belle réduction de la volatilité, pardonnez-moi, belle réduction de volatilité par là, ça peut être intéressant de jouer une figure en ta séance, etc. etc. Okay. Ça reste une tendance très positive. Pour investissement, bah, investissement, vous voyez, hein, on avait un canal comme ça qui a été cassé par le haut. Donc, ce qui me fait dire que là aussi, on pourrait même, je vous ai dessiné une figure relativement courte, mais on peut même avoir une figure beaucoup plus longue. Voilà, donc attention là aussi, même si c'est très positif sur Dell, on peut avoir là aussi un début de construction qui pourrait durer un petit peu. Cloudflare, donc là, intéressant de. Elle est où celle-ci? Voilà, elle est là. Intéressante, pourquoi? Parce que, est-ce que c'est en hebdo que le graphe est intéressant? Ouais, le graphe est intéressant en hebdo, regardez. Donc on avait une espèce de range qui a été cassé et on revient s'y appuyer. Donc là, on a également une construction. Il y a beaucoup de titres comme ça qui sont véritablement intéressants aux États-Unis, je trouve. Et on a cette construction. Là aussi, si on a la chance d'avoir une petite conso et qu'on la casse, éventuellement, on a vraiment une tendance qui peut se dessiner. Donc moi je le suis de près ce titre-là, j'aime bien. Donc on verra. Là il y avait une belle réduction de volatilité là, c'était intéressant pour les traders je pense. Mais voilà, investisseurs, peut-être si on revient là-dedans et qu'on fait une congestion là-dedans, ça peut être très intéressant. Je la mets en rouge et voilà. Voilà pour ça. Et enfin, avant de passer aux deux titres à suivre, je ferai vite parce que je suis à la bourre. Marathon Digital, elle est où? Elle est là. Alors, elle est intéressante, hein, Mara. Elle est intéressante. Pourquoi elle est intéressante? J'aurais presque pu le mettre aussi dans la suite. Regardez un petit peu. Donc, support, 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 cassé, résistance, résistance, cassé, support, support, on réintègre. Et là, regardez ce qui est en train de se produire sur Mara. Voilà, vous le voyez hein, à l'œil nu, ça se voit très bien. Avec vos yeux aiguisés, tels des tigres de la bourse. vous avez une belle réduction de la volatilité qui est ici.
D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Comment sent le volume? Ah voilà. Bel aplatissement des volumes. Donc il faut la suivre de très très près. Le top pour moi, hein, sera donné à la cassure de cette zone-là, donc à la cassure des 22, 23 dollars. D'accord? Tu arrives à casser ça. En objectif, nous viserons en effet le retour ici sur la zone des 30 dollars. Et après, on verra, hein, les amis, 30 dollars, éventuellement 34 dollars, éventuellement 57, éventuellement 80. Bref, il y a de la route, mais en tout cas, la construction est magnifique. Voilà. Donc, on va surveiller. Magnifique, ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut acheter. Magnifique, ça veut dire qu'il faut la surveiller parce qu'on a, sur ce genre de configuration, on n'a pas des probabilités forcément qui sont supérieures, mais on a des ratios gain-risque exceptionnels. Pourquoi? Parce que si vous prenez position, admettons, à la cassure ici, ben, vous avez une invalidation claire, elle est à peu près par là, et vous visez des ratios, vous voyez, voilà, par exemple, si vous visez par exemple les plus hauts ici, vous allez mettre un stop, on va dire, aux alentours des 20%, bon, c'est beaucoup hein, sur Mara, mais elle est très volatile, mais vous visez un gain de 50, donc vous avez un ratio de 2, 2,5, d'accord? En premier TP, hein, et après, éventuellement, également, en plus long terme. En plus, on est au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, qui est haussière. Là aussi, on a eu un titre qui nous a fait une spéciale retournement, hein, le fameux setup, c'est-à-dire une tendance baissière, une moyenne mobile à 200 jours qui est baissière, vous le voyez, qui s'aplatit ici, qui s'aplatit, toute cette période-là, on le voit bien, la moyenne mobile, voilà, la moyenne mobile, vous le voyez, ah, décidément, j'arrive pas avec ces aimants, voilà, la moyenne mobile, vous voyez, elle devient baissière, et là, elle est en train de redevenir haussière. Donc, on joue le scénario moyen-long terme. Les deux titres US dont je vais vous parler, un, court terme, entre guillemets, où il y a peut-être quelque chose à tenter court terme, en tout cas. Intel, Intel, je nettoie mon graphe. Voilà. Intel, ce qui est intéressant, c'est ça. On a effectivement la mise en place là aussi d'une très belle congestion. D'accord? Donc à suivre de très très près. Alors attention, ça lâche par le bas. Ça lâche par le bas. On n'insiste pas. Hein, c'est retour aux alentours de 24 dollars. Ça casse par le haut. Par contre, on a un joli potentiel. D'accord? Ça casse par le haut, on a un joli potentiel. Donc pour moi, on a un double top qui est dessiné d'ailleurs. Donc pour moi, un achat potentiel au-dessus des 31,50 dollars, grosso modo. On visera le comblement de ce gap ici en premier objectif et ensuite on visera un retour sur la moyenne mobile à 200, un retour éventuellement dans cette zone ici. Invalidation, elle est extrêmement simple pour moi hein, si on commence à s'installer en clôture ou en stop classique sous les 29 dollars, d'accord? Donc là aussi, hein, vous voyez les ratios gains sur risque qui sont intéressants. A contrario de Marathon, vous le voyez, on évolue là en revanche sous la moyenne mobile à 200. Donc on a quand même un petit peu moins pour moi de probabilité. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher et que Marathon va marcher, ce sera certainement même le contraire, probablement. Mais en tout cas, en termes de probabilité, c'est plutôt l'inverse. Intel, et je vous ai promis une autre, alors plus spéculatif, c'est UP FinTech, moyen terme, hein, c'est une config moyen terme, je vous la montre même pas en journalier parce que c'est pas intéressant, je vais vous la montrer en mensuel, voilà, UP FinTech, alors regardez, c'est un graphe, ça envoie, hein, comme on dit, voilà, c'est un graphe qui se présente de cette manière-là. C'est une congestion de long terme, donc ça peut durer encore plusieurs mois. Une congestion de long terme, voilà. Mais on a là aussi la mise en place d'une belle réduction de la volatilité. Donc on essaiera de faire le suivi. Alors si je le fais pas, hein, n'hésitez pas. Si vous voyez que le graphe véritablement donne des signaux, n'hésitez pas à me la reproposer parce que voilà, forcément j'en propose tellement que du coup je ne fais pas le suivi de toutes. Mais en tout cas voilà, en tout cas c'est intéressant. Vous voyez, on a la réduction de la volatilité. On a également, regardez la réduction des volumes, c'est monstrueux. Voilà, par rapport au volume qu'il y avait ici, regardez là, il n'y a plus du tout de volume. Donc ça c'est très intéressant. Et donc, premier pour moi niveau, hein, c'est si on arrive à se débarrasser effectivement des 5,05 $. Ça, ce sera le premier niveau intéressant. Deuxième niveau intéressant, donc casser le premier pivot des 5,05 $ et puis casser le deuxième pivot des 5,80 $. Et si effectivement on se libère de ces deux zones de résistance, eh bien, il y aura un potentiel probablement pour pouvoir jouer quelque chose de plus moyen long terme. Je vous ai montré le graphe mensuel. On zoomera naturellement, vous l'avez bien compris, sur les unités de temps inférieures dès qu'on commencera effectivement à avoir des signaux positifs. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. 1h13,
J'en espérais pas mieux en termes de timing. Voilà, donc en résumé, hein, en résumé, ben, personne ne sait, moi non plus. On a établi des scénarios, donc je vous invite à regarder évidemment le début de la vidéo sur les scénarios possibles et imaginables et sur les réactions potentielles du marché. Évidemment, je pense que rien ne sert de courir. Voilà, si vous êtes en swing, etc. Inutile de se foutre un stress monstrueux. Je pense que on va quand même vers peut-être un effet soulagement dans un premier temps avec potentiellement les élections, que finalement ce sera beaucoup de frayeur peut-être pour pas grand-chose. Mais quoi qu'il en soit, ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup de prendre le risque. Et vous ne vous inquiétez pas. Je vous le prouve d'ailleurs semaine après semaine. Il y a toujours des opportunités sur les marchés financiers à saisir. Donc même si éventuellement le CAC le lendemain des élections ouvre en gap à la hausse, etc. C'est pas grave, il y aura toujours des replis, il y aura toujours des opportunités pour rentrer. Donc, véritablement, ne vous mettez pas de pression. L'essentiel, c'est de bien dormir. Et voilà. Donc, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, bah, merci encore pour les commentaires que vous me laissez, qui permettent. Voilà, ça vous prend pas beaucoup, ça vous prend quelques secondes, mais ça aide évidemment la chaîne à être référencée et à être vue un maximum de fois. Merci mille fois, encore une fois, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour vos messages aussi nombreux. Et on se retrouve évidemment le week-end prochain. Faites attention à vous et surtout, bien évidemment, prenez soin des gens qui vous aiment. On se retrouve le week-end prochain. Ciao, ciao, bonne semaine. Ciao.